Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine, le Canari du Web africain, magazine qui, comme vous le savez, se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Au sommaire de cette édition, vous aurez vos rubriques habituelles, la revue du Web, le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le gouvernement burkinabé a confirmé vendredi qu'une attaque a visé l'ambassade de France à Ouagadougou et également l'état-major des armées dans la même ville. 4 assaillants ont été neutralisés. Les unités spéciales des forces de défense et de sécurité étaient encore en opération à la mi-journée de vendredi dernier. En sa qualité de coordonnateur du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique, Ali Bongo a pris part vendredi dernier à la conférence internationale sur le lac Tchad. La rencontre avait pour thème « Sauver le lac Tchad afin de restaurer l'écosystème de son bassin pour un développement et une sécurité dans la région ». Pour le président Ali Bongo, l'air est à la mobilisation pour sauver plus de 2 millions de personnes qui souffrent de la famine. Le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas les bienvenus dans la zone UEMOA. Le gouverneur de la BCAO, Banque centrale de la zone France CFA, l'a indiqué jeudi dernier à Abidjan. La BCAO concède n'avoir pas particulièrement communiqué sur la question en raison du fait que ces monnaies virtuelles ne sont pas autorisées dans la zone contrairement à certains pays. Il n'y a aucun responsable de ces monnaies et nous estimons que nous ne pouvons pas les laisser circuler dans notre zone, a indiqué Tiemoko Kone. Le hashtag que nous vous proposons aujourd'hui, c'est « À l'ère du numérique ». L'entreprise, notre service public, croit en la démarche du digital. Nous avons donc initié, avec une équipe conduite par M. Guillaume Soumaoro, une politique digitale, du numérique, qui permet aujourd'hui de mettre à la disposition de nos partenaires une application mobile, un centre d'appel qui accompagne nos appels. Nous avons un forum sur les réseaux sociaux, Ivoire Taxi Forum. Nous avons également le site du FDTR, propre au FDTR. Nous avons un ensemble d'outils à la disposition des internautes qui doivent leur permettre de savoir qu'au FDTR, nous développons une politique digitale, du numérique, et qui aujourd'hui devrait absolument accompagner nos projets du Voir Taxi, parce que nous comptons amplifier ce projet. Le chiffre clé de cette semaine, c'est 67. Le ministre de la Santé publique, docteur Yalassou Maïna-Sara, a présidé jeudi dernier le lancement officiel de la subvention du VIH-Sida et du paludisme financé par le Fonds mondial contre le VIH à hauteur de 67 millions de dollars US. Continuez de visiter les boutiques Yaimi à travers la capitale abidjanaise. Yaimi, notre partenaire qui nous habille pour cette production. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis internautes, merci de votre aimable attention et surtout, gardez un œil sur l'ensemble du réseau Weblogie.